Les drapeaux tricolores s'agitent autour du portrait de l'emblématique résistant. Immobile, dans un silence religieux, tout le monde écoute le témoignage du président de l'Association des anciens combattants et résistants. Au milieu de la cour, le préfet d'Haute-Garonne, Pascal Mayos. Il est conscient d'occuper les mêmes fonctions que Jean Moulin avant la guerre. Il explique la portée de cette journée. Cette journée est importante parce qu'elle rappelle, notamment aux jeunes générations, que la résistance, ce n'est pas simplement la commémoration du passé, mais c'est aussi l'expression de nos valeurs républicaines et démocratiques en des périodes où parfois elles sont mises à mal. Et c'est également important parce que, vous le savez, aujourd'hui, entre au Panthéon, quatre figures de la résistance, Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Jean Zay et Pierre Brossolette. Et donc, sur l'ensemble du territoire, nous rappelons l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui ont su dire non à l'inacceptable, non à l'occupation, non aux valeurs bafouées. Les élèves de 5e du collège Jean Moulin entonnent les rythmes du chant des partisans et de la Marseillaise. Ils expliquent quelle est leur vision de la résistance. C'est résister pour son pays, ne pas dire des informations aux ennemis quand ils nous torturent. Bah, pour moi, la résistance, bah, c'est par exemple l'honneur. Et faut, par exemple, il y a un pays, n'importe quel pays, et ben, il y a une guerre et il faut protéger ce pays pour gagner la guerre. Moi, c'est pour ça la résistance. C'est avec émotion et sous un soleil de plomb que des anciens résistants se sont réunis. Ils se dirigent en fin de journée au monument de la résistance et de la déportation. La journée de commémoration est peut-être finie, leur mémoire, elle, est intacte.